Ouais, c'est des pointillés. Donc, c'est des routes comme ça. Tu vois rien, toi? Il est à gauche. Il est à gauche en ce moment. Moi, il me semble que je vois du bleu à côté sur mon GPS. Regarde, il y a un terne, il va arriver. Il a la température. Comment est-ce qu'on fait pour arrêter l'image sur un truc? Faut que je regarde dans le mode d'emploi d'avoir moyen si j'ai pas envie qu'il défile. Voilà, il faut que carrément dans les paramètres j'enlève le défilement automatique. Ah ouais, mon avis. Tu vois, ici il y a tous les écrans et c'est moi qui ai configuré comme ça. Hein, mais... Oh, mais non, moi je roule toujours en voyant ce que. Et bah voilà, tu vois le blanc à gauche? Ah ben moi je l'ai pas, regarde. J'ai une zone. Eh, hey, fais ta mise à jour, hein, chef. Et ouais, tu vois la DVTT. Avec Marcel, et on a passé une lame, hein. Parce que nous quand on est passé, t'avais des gros cailloux là qui dépassaient, ouais, tu vois, c'était, tu avais comme des ornières là, ouais. Et puis de temps en temps, j'ai enregistré toute l'étape, t'as des images formidables là, du lac là. Ils sont montés à Taloir. Ouais, au lieu d'aller passer le col. Là je connais cette Taloir là. Ouais, mais au lieu d'aller pour monter le col de la Forca, c'est dommage que je passe là.
un acquéré de Spa, la chaleur, qui vient de s'habiller. Il y avait une photo dans la Meuse, un gars avec un gros signe gonflable et des enfants dessus. Et